Ce trouble se caractérise par une perte d'intérêt et de plaisir, des idées morbides, un ralentissement psychomoteur et une tristesse constante. Thomas Marais, présent. Luc Martin. Luc Martin. Charlotte Tampier. Oui. Natacha Le Gall. Là. Luc Martin. Luc Martin. Charlotte Tampier. Oui. Natacha Le Gall. Là. Thomas Marais. Présent. Luc Martin. Oui, présent. Mais vous étiez absent depuis la rentrée. Ouais, je sais. Bah, bienvenue parmi nous. Charlotte Tampier. Oui. Natacha Le Gall. Oui. Monsieur Martin. Oui. Vous étiez absent lors du dernier examen. Oui. Vous savez qu'une absence injustifiée m'oblige à vous mettre zéro. Pardon. Alors, je me suis permis de vous convoquer parce que votre professeur, monsieur Dubois, professeur d'économie, pense que vous n'allez pas très bien en ce moment. Non, ça va. Vous êtes sûr? Parce que vraiment, si vous avez des problèmes personnels qui perturbent votre scolarité, je peux vous proposer des solutions. C'est-à-dire? Des aménagements, un étalement de votre scolarité, le temps de prendre du temps pour vous. Je vais pas très bien en ce moment. Justement. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Je sais pas, je voudrais reprendre ma vie d'avant. Je suis pas à l'aise ici, j'arrive pas à me lever le matin, je suis fatigué tout le temps, j'y arrive pas. Mais j'ai pas envie d'abandonner. Bien, donc vous voyez sur le document que je vous ai donné, vous avez donc les deux courbes A et B. Je vous demanderai donc d'analyser le différentiel précis entre ces deux courbes en me donnant votre avis sur ce que vous en pensez, si vous aviez à conseiller votre client. Oui. Dans le principe multiplicateur keynésien, est-ce que la valeur d'Y est à soustraire de I ou C? C'est une très bonne question. Non, je vous encourage à poursuivre. Vos interventions sont pertinentes, alors faites-vous confiance. Et vous censurez pas. Demeurez attentif aux signes manifestes de fatigue de l'étudiant. Veillez autant que possible à étaler la charge de travail. Évitez les situations stressantes. Imposez des délais de travail trop serrés, des échéances trop rapprochées. Dispensez des signes de réassurance, des encouragements.